Alors, nous sommes le vendredi 13 juin 2014 et là encore, au nom des choses parmi lesquelles je tenais à témoigner, vous voyez très souvent sur ma page des slogans, enfin quand je dis très souvent, aussi longtemps que, enfin à chaque fois que je le peux, selon les sujets que j'aborde de la part du Seigneur Jésus et les messages qu'il me demande de transmettre, quand je le peux et que je vois passer sur Facebook des panneaux qui luttent, qui visent à lutter contre le racisme, je les affiche sur ma page, n'étant pas raciste moi-même et me sentant solidaire de cette lutte contre le racisme, parce que je crois que tout enfant de Dieu est bâtisseur de paix, bâtisseur d'amour, et que nous sommes dans cette dynamique de rester unis dans la foi, dans la foi en Jésus-Christ, dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme nous le rappellent bien les passages d'Éphésiens 4, versets 13 à 16 et bien d'autres passages bibliques hein, que je ne peux malheureusement pas tous citer ici par la force des choses, mais nous sommes forcément pour rester tous unis dans la paix, l'amour, la joie, la lumière et la justice de Christ. Et nous nous rappelons également que Christ est celui qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, comme le passage de Jean 13, versets 34 à 35, entre bien d'autres passages, nous le rappelle bien, puisque Jésus-Christ nous y invite à travers ce passage. Donc, par la force des choses, je crois que tout enfant de Dieu est un peu dans cette position où nous rêvons de voir enfin une unité totale, les gens s'aimer véritablement, sincèrement, même si nous savons que dans ce monde cruel qui est totalement aveuglé et malheureusement sous la domination du diable et de ses méfaits, les gens sont dans un comportement où l'on retrouve de moins en moins des personnes sincères et qui sont dans l'amour et la charité véritable. Mais il en existe encore. Les véritables chrétiens, je peux vous dire que c'est le cas. Ils s'aiment sincèrement. Ils sont réellement dans cette dynamique de faire le bien pour Dieu, avec Dieu et de s'aimer les uns les autres. Et ils sont dans un amour véritable et ils ont des désirs de charité véritables. Ils sont sincères. J'en connais suffisamment autour de moi pour pouvoir en parler, pour dire, continuer à dire, clamer haut et fort que le véritable amour de Dieu existe toujours, qu'il est dans le cœur de ses véritables enfants. Et que cet amour de Dieu est le seul amour qui soit plus fort que tout. Et l'un des passages là aussi qui nous le rappelle bien, c'est celui de Jérémie 31, verset 3, que je vais vous inviter à aller lire. Mais bon, ne pas m'éloigner du sujet que je cherche à aborder ici, qui est celui de la question de la lutte contre le racisme. Je tiens tout simplement à préciser que le diable est le pire de tous les racistes qui existent, et qu'il est aussi celui qui conduit les gens qui amène les gens à devenir racistes et à tenir des propos racistes. Et quand il le fait pour pousser certains à bout par ce que l'on appelle des esprits de provocation. Il les amène à tenir des propos inacceptables afin que ceux qui se retrouvent à être en face d'eux et qui reçoivent en pleine tronche la violence de ces propos racistes et inacceptables-là se retrouvent à devenir, à rentrer en colère et que dans leur colère, ils arrivent peut-être parfois à commettre l'irréparable. Et le diable fait ça exactement pour pousser les gens à devenir violents et à commettre l'irréparable. Et donc, le sens de mon propos et de mon témoignage, c'est d'encourager tous ceux qui en ont besoin et qui vivent ce type de situation notamment, et leur dire de ne surtout pas se laisser aller à la violence, de ne surtout pas se laisser aller à tomber dans l'écueil de la violence ou d'avoir des comportements qui ne sont pas des comportements de Dieu, et donc de ne surtout pas tomber dans le piège du diable, afin que quand ils s'entendent dire des choses, tenir des propos racistes et d'une telle violence, et aussi inacceptable que nous savons qu'ils le sont, parce que moi aussi j'ai déjà vécu cette réalité-là, qui ne se laisse pas aller à devenir, à rentrer en colère, qu'ils demandent au Seigneur Jésus de remplir leur cœur de leur paix, qu'ils fassent cette petite prière qui est de dire au Seigneur Jésus, je te remets toute colère, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou ressentiment négatif, tout stress, toute peur, toute angoisse, tout ce qui est négatif ou qui n'est pas de moi dans ton cœur, merci de m'en délivrer, de me remplir totalement dans ta paix, de ta paix, de la paix du Christ, et c'est au nom puissant de ta paix, de ta joie, de ton amour, de me calmer
de faire que je ne m'énerve pas, Seigneur Jésus, remplis-moi vraiment totalement de ta paix, ici au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer en colère, choisissez de rentrer en prière. Ne rentrez pas en colère, mais rentrez plutôt en prière, quitte à vous éloigner de la personne qui vous dit ces bêtises-là. Allez prier dehors s'il le faut, mais ne rentrez pas en colère et ne succombez pas à la tentation que le diable vous donne à ce moment-là, qui est celle de vous amener à la colère et par la suite à la violence et donc à commettre l'irréparable. Ne tombez pas dans ce piège-là du diable. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je vous y invite véritablement parce que je peux vous dire que le seul vrai raciste qui agit à travers eux, en fait, c'est le diable. Et c'est le diable qui les amène à tenir des propos racistes. Et c'est le diable qui fait toutes ces choses-là parce que là où Jésus-Christ nous appelle à la paix, le diable appelle à la violence, à la colère, à toutes ces choses-là. Il agit par des esprits de colère, des esprits de provocation pour provoquer les gens et les amener à la colère par ses esprits de colère aussi. Et le pire, c'est que quand il a fini de mettre les gens en colère, parce que son but, je l'ai déjà dit dans bien d'autres témoignages, est de générer la discorde, le désaccord, la séparation, la rupture, les divorces, les pires situations et tous les autres problèmes qui découlent de ces situations-là entre êtres humains. Il cherche toujours à voir comment il peut fâcher les gens, comment il peut fâcher notamment des frères et sœurs en Christ, générer la discorde entre eux, provoquer des problèmes. Il s'amuse à ça en longueur de journée, à incendier les gens, à allumer le feu partout où il peut l'allumer, que ce soit physiquement ou spirituellement, et à allumer des départs de feu, à alimenter le feu, à jeter de l'huile sur le feu pour provoquer des situations problématiques, faire ce qu'on appelle chez nous des cancans. Je connais cette petite histoire en créole qui parle de quelqu'un qui s'amusait à aller chercher une bouteille d'huile alors qu'on lui avait demandé du gaz juste pour provoquer une histoire et pour provoquer une situation où on voit une dégradation de la situation, un envenimement de la situation. Et bien celui qui envenime des situations et qui est toujours à faire des histoires, des cancans comme on dit chez nous, c'est le diable. Et c'est lui qui est donc à l'origine de toute dégradation et envenimement de situation, de toutes les séparations, de tous les divorces qui existent et bien sûr de toutes les formes de discorde qu'il y a entre êtres humains, vous avez compris, hein, j'ai l'habitude de le dire, le diable est celui qui cherche à provoquer tout type de situations problématiques dans nos vies. Donc ne vous laissez pas entraîner par lui dans ces conduites-là et ces comportements-là. Ne vous laissez pas aller à rentrer dans un comportement négatif parce que c'est ce que lui cherche à faire alors que Jésus-Christ, nous amène toujours plus haut dans les comportements, à avoir des comportements positifs. En restant dans la paix et la sérénité. D'ailleurs, un passage nous le rappelle bien, c'est le passage d'Ésaïe 30, verset 15, où le Seigneur nous dit que c'est dans la sérénité que sera notre repos. Je vous invite vraiment d'ailleurs au passage à lire les passages d'Ésaïe 30, verset 15 et également le verset 18, qui sont de très beaux passages où il est notamment dit que l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, priez le Seigneur afin qu'il vous remplisse de sa paix, plutôt que de vous fâcher, de rentrer en colère et de vous retrouver soit à devenir violent, soit à commettre l'irréparable, ce qui est le but du diable à travers tout ça. Et donc, il fait ces personnes prononcer des propos racistes, je le dis là encore, précisément pour vous pousser à bout et voir comment il peut vous amener à commettre l'irréparable. Ne laissez pas le diable gagner sur vous. Restez dans un comportement de Dieu et non dans le comportement que voudrait voir le diable vous voir, voir le diable vous voir avoir. Ne tombez pas dans son piège, vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus. Je terminerai également, là je viens d'aborder un premier cas avec vous, je terminerai en vous expliquant, en vous faisant savoir au moins deux autres choses. On parle souvent du racisme qui est fait envers les personnes à peau foncée, certains disent des noirs, mais bon, des fois, ça peut ne pas être quelqu'un qui est noir, mais quelqu'un qui a une peau foncée. Eh bien, je voudrais dire que malheureusement, nous déplorons que cela existe, que ce soit envers les noirs ou les personnes à peau foncée. C'est totalement déplorable et inacceptable. Mais je tiens à dire qu'il existe aussi un racisme qui est fait envers les personnes à peau claire. Ça, on en parle beaucoup moins, mais ça existe aussi réellement. Et ces personnes-là, elles aussi, subissent de véritables discriminations et souffrent de véritables souffrances
à cause du racisme qui est fait à leur encontre aussi. Ça me paraissait un deuxième point important à souligner. Et le troisième que je voulais vraiment aborder aussi avec vous, même si je ne peux malheureusement pas m'étendre, puisque je vois que quelqu'un est en train d'arriver chez moi, c'est simplement vous dire de ne pas vous laisser aller à vous laisser entraîner par le diable dans aucun comportement négatif par rapport au racisme, parce qu'il existe aussi des personnes qui ne sont pas racistes. Et là, le diable s'amuse à faire croire qu'elles le sont, mais elles ne le sont pas. Donc, ne vous laissez surtout pas, prenez le temps de la réflexion et ne vous laissez surtout pas aller à des réflexes, à des analyses qui ne seraient pas les bonnes, parce que malheureusement, ce type de cas-là aussi existe. Donc, vous l'aurez compris, là encore, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai dû interrompre ce petit témoignage sur la question du racisme, ou plus précisément de la lutte contre le racisme. Et je crois que pour, en guise de conclusion, il y aurait encore vraiment beaucoup de choses à dire, mais je me concentre sur le fait de vous dire ce qui me paraît essentiel. Et je crois que l'une des meilleures choses que je puisse faire, c'est également vous inviter à faire cette petite prière que vous ferez en fonction du cas que vous savez qui correspond au vôtre. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui sont racistes malgré eux, qui se rendent bien compte qu'ils ont des réflexes racistes. Merci de demander au Seigneur Jésus. Donc, merci Seigneur Jésus de me délivrer du racisme et de mettre une garde à ma bouche afin que je dise les bonnes choses et que je ne dise pas les mauvaises choses, que je ne me retrouve pas à envoyer des piques aux autres avec des propos racistes et donc à briser leur cœur ou à leur faire mal. Merci de me délivrer totalement du racisme et de tout ce dont j'ai besoin de l'être et de tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur ou dans ma vie et de me remplir totalement de ta paix. Et pour le second cas, ceux qui le subissent maintenant, merci Seigneur Jésus de me délivrer des effets du racisme et de me rendre justice pour tous ceux qui m'ont fait souffrir ou ont commis envers moi des injustices. Je proclame que je leur pardonne tous, mais merci Seigneur Jésus de me rendre justice en ton temps. Et parce que je sais que, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18 notamment, tu es un Dieu juste et que tu me rendras justice comme tu rendras toujours justice à tous ceux qui ont subi des injustices, comme tu nous le rappelles dans le passage de Matthieu 5, verset 1 à 12 et notamment verset 6 où tu dis « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux ils seront rassasiés. » Je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, merci Seigneur Jésus de me délivrer aussi de tout ce qui n'est pas de toi, de tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou ressentiment négatif, de m'en délivrer totalement, de me remplir de ta paix, ta joie, ton amour, ta lumière, ta justice, de tout ce que tu souhaites d'autre. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait ces prières. J'ai essayé de faire ces prières avec vous de manière spontanée, mais bien sûr, vous pouvez y rajouter tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez le besoin de dire au Seigneur Jésus-Christ, ainsi que toutes vos doléances. Le Seigneur vous écoute et il exaucera toujours toutes vos bonnes prières, puisque rappelez-vous qu'il est notamment écrit que le juste vivra par la foi et que la prière du juste est d'une rare efficacité. Par ailleurs, je tiens à ajouter également que pour tous ceux qui ne l'ont jamais faite, je vous invite à faire une dernière prière qui est celle par le biais de laquelle nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, que je rajouterai à la fin de ce témoignage, ou juste au-dessus ou en dessous sur ma page, en tout cas en parcourant ma page, vous trouverez toujours cette prière qui s'appelle « Prière de consécration à Dieu ». Et donc, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous tous et qui est aussi l'un de mes passages préférés de la Bible. C'est Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer. De faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc, tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout, tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.